Seul le temps dira si la flamme s'est rallumée. Et maintenant, mon mariage n'attend que ton coup d'épée. Peu t'importe de quitter cet endroit. Tu y as passé la moitié de ta vie, après tout. Si, mais qu'est-ce qui m'y retient, après tout? Un mariage sans amour, et les tombes de mes deux enfants morts-nés. La Francie t'a-t-elle toujours manqué? Oui. Enfin, surtout mon rang et la femme que j'étais là-bas. Plus libre, et espérant davantage de la vie. Et notre projet, le grand enlèvement du Lammas, c'est une fête chrétienne? Oui, c'est une soirée merveilleuse, la bénédiction des récoltes. Il y a des fruits, des feux, on boit et on danse. Des gens à l'esprit embrumé et au regard voilé, c'est bon pour nous. Et le navire qui doit te ramener chez toi? J'en connais un, et il a un capitaine plein d'ardeur. Viens, je vais te conduire à lui. Les Danois ont essayé d'enlever Dame Estrid. J'y étais. J'ai tout vu. Ce capitaine, qui est-ce? C'est à peine plus qu'un enfant, mais fort comme un homme. Il vient d'avoir 17 ans. Il a la fougue de la jeunesse. Il est saxon? Danois. Mais Edred vous traite de pillard. Il dit que vous êtes venu voler l'Angleterre. Certains, peut-être. Moi, je suis venu pour m'installer sur un lopin de terre. Je ne suis pas pressé de retrouver les hivers de mon enfance en Norvège. La Norvège, oh, ce doit être magnifique, sauvage et redoutable, et froid comme tout dans le nord gelé. Si froid que la lumière reste accrochée dans le ciel. Une route pour les Valkyries qui emmènent nos guerriers morts vers leur banquet éternel. Un banquet éternel, en voilà une belle fin. Nous y sommes. C'est un bordel. Le capitaine s'appelle Rolf, ou Rollo, dans ma langue. Parle-lui de notre nouveau plan et accepte la récompense qu'il te demandera. Il faudra peut-être le convaincre, car nous ne nous sommes pas quittés en bons termes. Avec enthousiasme ou pas, il acceptera. Tiens-toi prête et attends mon signal à la fête du Lammas. Ah! Rollo! Pitié, je ne suis qu'un pauvre frère chrétien qui n'a plus rien à donner. Il y a quelqu'un à la porte, Rollo. Oh, est-ce là un que j'ai demandé? C'est Estrid qui m'envoie. Ah, vraiment? En tant que cadeau d'adieu à l'homme qui lui a pétri la chair, hein? Non, je suis venu te chercher. Est-ce pressé? Hé hey! Dois ramener celui qu'on appelle Rollo. Les hommes du roi veulent lui poser quelques questions. Non! Un petit instant! Bonjour à toi. Entre. Allez, vite. De l'aide serait appréciée. Pourriture de Danois, ouvrez cette porte. Dehors, vite. Suis-moi. Nous avons trouvé ton campement, Vermindal. Estrid ne mentait pas. Tu es plein d'ardeur. Et tu es qui pour Estrid? Rien qu'un ami.
Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. À ta manière de parler, tu viens du Nord. Alors tu dois me pardonner. Ces Saxons savaient où était mon campement. J'ai commis la folie de laisser mes hommes en arrière. Va t'occuper de tes hommes s'il le faut. Mais dis-moi où te retrouver, car nous avons à discuter. Au nord-est d'ici, près de l'embouchure du fleuve. Suis-moi ou viens quand tu le pourras. Rollo le gueulard, si tu ne la boucles pas. C'est à toi qu'Ivar le sans-eau doit son nom. J'ai entendu des histoires autour du feu à son sujet, mais je n'ai jamais bien tout compris. Oh, il manquait déjà d'os avant que je le rencontre. Aujourd'hui, le peu qu'il en avait fume au pied d'un bûcher. Et le roi Elfred? Tu imagines leur roi au milieu des neiges que Tyr fait tomber chez nous? Il serait plus bleu que mon père quand il boit trop d'hydromel. Il s'endormirait dans la neige avec un chien pour lui tenir chaud. Ah, cette discussion me fait regretter l'ancien temps. Le bon vieux temps. Crevure ! Pourquoi sont-ils attachés ? C'est pire que ce que je pensais. Tant de gens sont morts. Et ceux qui restent sont prêts à s'entretuer. Pense-t-il qu'il y a un traître parmi tes hommes ? L'Orc et Geryll ont été à mes côtés toute la saison. Ça me peine de douter d'eux, mais des gens ont été capturés et mon navire n'est plus là. Épargner un traître, c'est tous vous mettre en danger. Laisse-moi leur parler. Un innocent n'a rien à cacher. Très bien. Mais ne laisse pas Loki te murmurer à l'oreille. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo, les Saxons nous ont attaqués. Et ces deux-là étaient introuvables. Ils ne nous ont pas trahis, Yaké. Geryll est ma sœur de bouclier. Et l'Orc a toujours bien servi mon père. On dirait que les Saxons n'ont pas capturé tout le clan de Rollo. Je dois parler aux deux, et voir si je peux trouver des preuves dans le campement. Geryll, n'est-ce pas ? Oui, la sœur d'armes jurée de Rollo. Je le sers avec fierté et loyauté. Tu ne crois quand même pas que je l'ai trahi ? Tu n'étais pas là quand les Saxons ont attaqué ? J'étais en train de chasser. Il y a du très bon gibier dans les bois, hors du camp. Et nous avons besoin de viande. Et qu'as-tu chassé ? Des lapins pour le ragoût, le plat préféré de Rollo. Qui es-tu pour Rollo ? Je suis lié par le bouclier. Tant que l'Angleterre et cette sorcière franque ne l'écartent pas du droit chemin, notre peuple mérite mieux. Tu sembles jalouse. Mais de qui ? Estrid ou Rollo ? Tu ne sais rien, bec de corbeau. Je me soucie de mes frères danois. Il n'y a aucune traîtrise en moi. Ce sera tout, pour l'instant. L'Orc, c'est ça ? Donne-moi ta version. Tu veux entendre ce que j'ai à dire ? Alors apporte-moi de la bière, et nous parlerons en égaux. Sinon, va te faire pendre. Où étais-tu quand les Saxons sont venus ? Je chassais le lapin, d'accord ? J'en ai assez des carottes et des navets. Et puis j'ai entendu Geryll crier, et ça a été le chaos. Tu as vu quoi que ce soit ? Geryll, qui parlait avec un Saxon. Je n'ai pas entendu, mais une chose est sûre. Ça n'avait pas l'air bon. Pourquoi te croirais-je ? Tu mens peut-être pour sauver ta peau. Tu n'as qu'à lui demander ! Elle se dit loyale envers Rollo, mais je la connais depuis sa naissance. Elle a toujours été mauvaise et ambitieuse. Ça fait longtemps que ton épée est au service de Rollo ? J'ai prêté un serment de sang à son père. Tant pis si ça m'oblige à torcher le cul de Rollo, et cela jusqu'à ma mort. Et si Rollo venait à mourir, tu serais libéré de ce serment. Tu en as assez de te battre.
Un jour, je festoirai dans la halle d'Odin. Et je n'aurai pas les mains tachées par le déshonneur. Pour l'instant, ça me suffit. Peut-être que des preuves m'aideraient à vérifier leur récit. Pendant que tu buvais au bordel, Rollo, les Saxons nous ont attaqués. Et ces deux-là étaient introuvables. Ils ne nous ont pas trahis, Yaké. Geryld est ma sœur de bouclier, et l'orque a toujours bien servi mon père. On dirait que les Saxons n'ont pas capturé tout le clan de Rollo. Ce lieu ferait une bonne cachette. Un endroit où attendre une attaque saxonne. Nul besoin de chasser quand le campement regorge de gibier. Tu as pris ta décision ? Geryld comme l'orque prétend qu'elle chassait. Le lapin. Elle chasse rarement. Depuis qu'on est enfant, elle tire plus mal qu'un ours. Ta sœur de bouclier est jalouse. Elle trouve que tu négliges les tiens en allant coucher avec l'ennemi. Elle a toujours eu de l'ambition. Mais a accepté mon commandement et a juré sur son bouclier. L'orque a dit qu'il chassait, mais vos râteliers sont pleins de lapins fraîchement tués. Pourquoi mentirait-il s'il n'avait rien à cacher? Il est là de son serment de sang. Et ta mort l'en aurait délivré. Il est âgé et fragile. Mais il a bien servi mon père. Je l'aurais relevé de son serment sans verser le sang. Alors, tu es parvenu à une conclusion ? En effet. Je t'écoute. Dans tous les cas, j'aurai de la peine, mais la vérité doit éclater. C'est Geryld qui t'a trahi. Non ! Ce n'est pas vrai ! Rollo, je t'en supplie. Une mort teintée de honte en terre saxonne. Il ne peut y avoir de Valhalla pour un briseur de serments. Elle a toujours été une corneille envieuse, à piquer du bec chacun de mes choix. Il n'y a plus rien à faire ici, et tes guerriers sont peut-être toujours en vie. Et j'aurai besoin de ton aide quand ils seront libres. Les Saxons ont un campement avec un quai à Port Walton. C'est peut-être là qu'ils les ont emmenés. J'ai toujours su qu'elle n'était pas digne de confiance. Épargne-moi tes paroles! J'ai le cœur déchiré. Trouve-toi quelque chose d'utile à faire. J'ai entendu parler d'un endroit plus sûr, au sud de Colcestre. Si on allait y jeter un coup d'œil, toi et moi. Les souffrances des tiens me rendent triste, Rollo. Merci, Eivor. Je vais devoir réfléchir pendant ce trajet. Alors, je te laisse à tes pensées.